Maman, qu'est-ce qu'on mange ? 2 minutes, je finis mon rang. Bonjour, bienvenue dans la maille qui murmurait à mon oreille. Je suis Lila, je tricote dans l'ouest de la France, sur la côte atlantique. Et je viens partager mes aventures de tricot, qui sont souvent un petit peu chaotiques, il faut bien le dire, parce que je suis une complète autodidacte. Donc voilà, j'ai appris sur le tas. Pour me présenter un petit peu plus, c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu de modèle autour de moi, enfin de personnes avec qui je pouvais apprendre. Ma maman tricotait un petit peu, mais elle tricotait, on va dire, des choses assez simples et un modèle de pull assez basique et qu'elle aimait reproduire à l'infini, ce qui était déjà très bien. Donc elle m'a appris les bases, mais tout le reste, j'ai dû apprendre par moi-même en regardant YouTube, en regardant principalement YouTube et puis en rencontrant des gens qui m'ont montré des petites techniques par-ci, par-là. Donc voilà, vous me voyez dans un nouveau décor. J'ai essayé d'aménager un petit coin parmi les travaux. Voilà, donc nous sommes dans notre pièce du hall, l'ancien grenier de notre maison qui est en train d'être réaménagée en pièce qui sera des chambres, une chambre d'amis, des chambres pour les garçons, pour mes plus grands quand ils viendront nous rendre visite. Voilà, un bureau éventuellement, un petit coin pour moi pour tourner quand je peux. Donc ce sera chouette parce que ça me permettra quand même d'être un petit peu plus autonome et de pouvoir tourner même s'il y a un petit peu de monde dans la maison. Voilà, donc là, vous ne voyez que le tout petit bout, mais il faut savoir qu'autour de moi, c'est un petit peu le chaos. Rien n'est encore terminé, mais écoutez, c'est comme ça. Donc, voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer, pour la simple et bonne raison que ça fait un petit moment que j'étais pas venue vous retrouver. Mais d'une part, je n'ai pas trouvé le temps ni l'espace de venir vous voir avant. Et puis, il y a aussi le fait que je pense qu'au mois de décembre, vous avez tous, enfin, tout été inondé de vidéos, de vlogs en tout genre, de vlogmas, de podcasts. Donc, c'était super du contenu. Il y en a eu plein pendant tout le mois de décembre. Ce qui fait que je me suis dit, de toute façon, ça n'allait pas vous manquer. Voilà, vous n'allez pas être bien seul. Donc, moi, je viens pas pendant l'avant, je viens pendant l'après. Voilà. Donc, maintenant que tout le monde a bien digéré, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Qu'elles ont été en tout cas le plus chaleureuses possible et sympathiques avec les gens que vous aimez, voilà, quels qu'ils soient, amis, famille, juste en amoureux, qu'importe. Voilà, donc pour ma part, je viens vous montrer d'abord mon premier projet terminé qui est ce que je porte, qui je ne sais pas si chronologiquement c'est le premier, mais en tout cas c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est le Whitmore d'Amy Loden, qu'on a vu et revu plein de fois sur YouTube. Voilà. Que moi, je l'ai fait en double. Ça bouge un peu, je me rends compte, la caméra. Hein, je suis désolée, c'est sur un pied qui tremblote un peu. Alors, c'est de la laine de chez By Night. Donc, celle-ci, qui est toute mouchetée comme ça, c'est la Rainbow, qui est 85% mérino superwash, 15% viscose, qui est d'une douceur assez dingue, et que j'ai mélangée avec son mohair et soie, qui est aussi d'une douceur assez dingue. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi j'ai utilisé deux écheveaux et demi de chaque, sachant que ça se tricote donc en double, en aiguille quoi, 4 mm. Moi en fait j'ai fait exprès de je ne le voulais pas forcément aussi ample que le présentait la designer, dans le sens où je ne le voulais pas version pull-pull, mais je le voulais plus version
top, en fait, que je peux mettre comme ça, sans rien. C'est ce que je fais, d'ailleurs. Pour que ce soit chaud sans être trop gros pull. Voilà. Parce que des gros pulls, j'en ai déjà pas mal. Hein, et je me rends compte que c'est pas ce que je mets le plus, finalement. Puisqu'ici, on n'a pas non plus hyper, hyper froid. Ceci étant, je suis en train de vous dire ça. Et j'ai très, très chaud. Donc, voilà. Mais en tout cas, je voulais pas quelque chose de trop épais. Son mohair, le mohair de By Net s'appelle le Halo et c'est vraiment un mohair très très doux. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs le Halo, mais c'est très joli. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que c'est un patron qui coûte 8,40 livres, qui équivaut environ à l'heure actuelle à 9,52 €. Moi, je l'ai fait en taille M. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est un montage au Norwegian Caston que j'ai fait. Voilà. Le seul truc que je peux reprocher, ça c'est encore de ma faute, c'est que j'ai fait des manches un peu courtes. Alors à chaque fois je dis oui les manches, je peux pas les remonter, machin. Alors là je peux parfaitement les remonter, mais je les trouve un poil courtes. Et pourtant j'ai essayé mon pull en court. Donc je sais pas comment je me débrouille pour pas... Il doit y avoir une façon de l'essayer qui fait que je sais pas. Le tissu ne se met peut-être pas bien, ce qui fait que c'est pas assez... je ne saurais vous dire. En tout cas, les manches sont un poil courtes. En attendant, je vais certainement pas le refaire parce que... Défaire et refaire parce que je trouve que c'est pas non plus dramatique. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que ça a été... un pull qui était très agréable à tricoter, dans le sens où on s'ennuie jamais. Voilà ce que j'ai noté. Entre, c'est vrai, le motif, voilà, qui est tout le long. On a plusieurs combinaisons, enfin, le motif qui fait ça. On a plusieurs combinaisons possibles entre le choix de forme de manche, bishop, je crois, ou normal. Moi, j'ai fait des manches droites classiques. Entre la laine, les petits pointés, le motif, la laine, etc. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était un modèle super agréable à faire. Il n'est pas difficile. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement difficile à faire. Donc les techniques, par des augmentations des jetés, des mailles glissées, il n'y a rien de particulier. Donc je pense que c'est tout à fait accessible. Butants qui n'ont pas peur de, voilà, d'avoir un motif. On peut suivre, il me semble de mémoire, qu'il y a soit la grille, soit c'est écrit. La prochaine fois, d'ailleurs c'est ce que je fais là pour un autre projet, je pense que je m'attaquerai au bras avant de faire le corps. D'abord pour pouvoir me rendre compte de la laine qu'il me reste, parce que là typiquement il me reste de la laine, donc j'aurais pu très bien et prolonger le corps et prolonger les bras. Et pour être sûre que je ne me trompe pas dans les proportions, parce que je pense que c'est quand même plus simple une fois qu'on a fait les bras, de pouvoir essayer quand on a mis le corps en attente, et de voir un peu où on en est, de peser sa laine et de mieux se rendre compte. Donc voilà, j'apprends encore, et à mon avis, c'est quelque chose que je ferai dorénavant. Voilà, il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre je le refasse avec une laine, en tout cas avec une ampleur plus importante, pour avoir cet effet grand pull, plus grand pull, peut-être d'une couleur un peu plus, je sais pas, j'aimerais bien dans un brique, quelque chose comme ça, ça me plairait assez. La laine est super agréable. Donc moi, c'est la laine que j'avais achetée au festival de Felletin. Au festival de la laine de Felletin, quand j'avais vu le stand By Night, et j'ai complètement craqué et je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et en fait, elle m'a confirmé qu'elle avait déjà fait ce modèle-là avec ce mélange. Donc je me suis dit que c'était possible et que je n'avais qu'à me lancer, n'est-ce pas? Voilà ce que je peux vous dire sur ce modèle. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ensuite, j'ai un autre petit pull à vous montrer. C'est le modèle Ila. Je reprends mes notes pendant parce que je suis sérieuse. Qui est de Orlan. Je ne sais pas comment ça se prononce. Sockle. Que j'ai fait donc... en coton mérino de Drops. Je peux même vous dire. Coloris, c'est le numéro 7. Est-ce que vous voyez bien la couleur? Bah, en fait, il y a de la lumière qui vient d'un peu partout. Mais je crois que vous l'avez pas trop mal. C'est entre un... Il est plus bordeaux que ça. Ouais, là.
vous le voyez pas mal. Il a un petit côté rouge bleuté comme ça. C'est le coloris numéro 7, donc c'est 50% laine, 50% coton. Moi je l'ai acheté donc sur Kalidou. Voilà. Alors, sur ce modèle là, c'est je l'ai fait trop grand en fait. Je l'ai fait un peu trop grand. Je l'ai porté hein, donc et en plus non seulement je l'ai fait un peu trop grand, mais je pense que il se détend. Donc il se tricote en aiguille numéro 4. J'ai utilisé 10 pelotes et demie, moi. Qu'est-ce que j'ai utilisé? En montage, le Norwegian Caston. Et en rabattage, j'ai essayé pour les manches le Xawe. Truc comme ça. Je vous mettrai de toute façon des références en dessous dans la barre d'informations. Pour avoir un rabattage élastique. Mais alors sur moi, est-ce que c'est la fibre qui fait ça? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est trop lâche. Alors moi qui ai tendance à avoir des rabattages pas assez élastiques, là pour le coup, je trouve que c'est trop lâche. Donc, en termes de technique, il y a des torsades. Voilà. Il a la particularité d'avoir des torsades tout le yoke, là. Et... est-ce que vous allez bien voir? Surtout le côté... voilà. Tic, 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 tic. Ce qui est quand même hyper sympa parce que ça rythme vraiment bien le tricot. Voilà, vous voyez là. Et donc on a aussi des petites côtes comme sur les manches assez sympathiques en dessous, en bas. Donc en termes de construction, moi je le trouve très sympa. Pour les torsades, j'ai fait de différentes manières. J'ai pas d'aiguille à torsade, donc j'ai essayé avec, vous savez, des petits ramasse-mailles assez gros. J'ai fait cette technique-là. Puis après, je suis allée sur YouTube et j'ai trouvé notamment chez, je crois que c'est Knit Spirit qui fait des vidéos d'explication sur comment faire des torsades à droite et à gauche. Sans aiguille auxiliaire. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est quand même plus pratique que d'avoir à tout le temps mettre ses mailles en attente, enfin sur une aiguille. Donc ça, j'ai bien aimé le faire. Moi, le truc, c'est que il y a des diminutions en théorie sur les bras que je n'ai pas faites et je le regrette. Car très honnêtement, ça aurait mérité d'avoir des diminutions. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait les diminutions sur les manches, donc ça, c'est, je ne referai pas de cette manière-là. Je trouve que... alors, au début, j'ai eu un peu peur. Si vous faites ce modèle-là, c'est que... en fait, on fait l'encolure qui paraît très, très lâche, très large, encore plus que là. Et donc, on continue à dérouler le corps, les manches, etc. Et en fait, à la fin, elle nous dit de reprendre les mailles de l'encolure. Et effectivement, on fait une petite manip qui resserre les mailles. Et heureusement, parce que sinon, on se retrouve avec un truc très large. Alors... c'est encore assez décolleté, hein. Enfin décolleté, oui, c'est encore assez lâche, mais moins quand même que s'il n'y avait pas cette manip. Donc je trouve que la construction est vraiment bien, on s'amuse bien entre les torsades tout le long, les torsades sur le côté du corps, les côtes qui sont rigolotes avec des côtes torses d'un côté, enfin voilà, je ne vais pas tout vous dire. Mais... donc ça, je trouve ça assez sympa. Je pense que c'est un modèle qui aussi est accessible à des... il y a des torsades, mais c'est pas des grosses torsades, donc je pense que c'est tout à fait... si moi je peux le faire, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire, hein. Voilà, je suis pas une experte. En revanche, bon voilà, ce que j'ai noté, c'est qu'il fallait maintenant que... peut-être que je ferai la taille en dessous la prochaine fois, et que j'hésiterai pas à faire des diminutions sur les manches. En fait, j'ai encore un petit peu de mal à voir quand je vois un modèle, si moi ça va me convenir ou pas, quelles améliorations je peux faire ou quels changements je peux faire, mais des changements qui soient positifs et non pas où je m'en mords les doigts après. Bon. En revanche, j'ai trouvé que le coton mérinos était super agréable à tricoter. Coton mérinos, oui.
J'ai trouvé vachement sympa à tricoter. Très, très chouette. Le rendu est quand même bien régulier. Là où je me suis fait avoir, en revanche, donc je vous le dis, si jamais vous le tricotez, c'est que pour le faire le changement de fil, j'ai tricoté plusieurs mailles en même temps. Et sur le moment, ça ne se voyait pas. Et je trouve que maintenant, ça se voit. Vous voyez, on voit. Alors là, on voit encore plus à l'écran, enfin l'image, la barre, là. En vrai, ça se voit moins, heureusement. Mais on devine qu'il y a un changement de pelote. Donc ça, je ne ferai pas de la même façon. Je pense effectivement que c'est enfin, que ça se détend pas mal. Donc à mon avis, il ne faut pas hésiter à faire un rabattage pas trop lâche. Pour éviter justement ce côté trop qui se détend. Et puis quoi d'autre? J'ai trouvé vachement sympa. J'aime bien en fait, je me rends compte que j'aime bien les tricots comme ça, les modèles où la forme est somme toute. J'ai un poil de je sais pas quoi. J'aime bien ces modèles qui demandent de la concentration, mais pas ligne par ligne, enfin par rang. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où effectivement il faut être concentré, il y a tout un motif, etc. Mais on sait qu'ensuite, passer ça va aller, à part quand on sera sur le côté du corps. Mais je trouve que la rythmique du tricot est assez sympa. Parce que c'est comme pour le Whitmore d'ailleurs. Voilà, entre le motif, moi il faut que je trouve, il faut que soit la laine m'apporte quelque chose de rigolo dans les couleurs où ça change un peu, soit dans le motif, il y ait des manips à faire qui fassent que bah, je m'ennuie pas, je m'endors pas dessus, quoi. Donc ça, c'était mon deuxième petit pull que j'ai déjà pas mal porté, que j'aime bien, qui est coton mérinos, donc c'est pas très chaud, c'est un peu lourd. En revanche, hein. Donc je pense que je l'ai pas encore, je l'ai lavé bloqué comme ça, mais je l'ai pas encore relavé depuis. J'ai un peu peur du résultat. J'ai un peu peur que je me retrouve avec une robe. On verra. Je vous dirai ça au prochain épisode. Alors ensuite, j'ai des ouvrages que je peux pas vous montrer parce que c'était des cadeaux de Noël. J'ai notamment fait le Bombec, la capuche d'atelier Émilie qui s'appelle le Bombec. Je pense que vous en avez toutes entendu parler parce qu'elle est passée sur la toile en veux-tu, en voilà. Donc moi, je l'ai fait au départ pour mon fils numéro 2, Félix, qui, je vous avais expliqué, est souvent en reportage photo dans les rues de Lille, et donc je voulais quelque chose qui puisse lui tenir chaud, lui couper du vent, etc. Et en même temps, donc cette capuche me paraissait assez une bonne idée, parce qu'il peut l'enlever, la remettre sans avoir à être encombré. Il a déjà des appareils photo, des objectifs, des machins. Je me disais que c'était pas mal. Donc moi, je n'ai pas racheté de laine, je l'ai fait avec un stock que j'avais, je l'ai fait en flora avec un mélange donc de flora et de kid mohair, couleur, c'était du gris anthracite, parce que je voulais quelque chose d'assez masculin, passe-partout, etc. Et en aiguille numéro 3, comme elle le préconise dans le patron, j'ai fait la plus grande taille, puisque je me souviens qu'entre le moment où elle a sorti et un peu plus tard, elle a sorti. Donc, elle avait fait différentes tailles. J'ai fait dans la taille la plus grande. Et je n'ai pas eu l'occasion de lui essayer avant de lui offrir. Et je suis pas sûre qu'il la mette beaucoup. Voilà. Parce que, à mon avis, à mon sens, si vous comptez le faire autant chez une femme ou une ado, ou peut-être un ado, même garçon, mais plus jeune, plus fluet, ça va, mais sur une corpulence d'homme, je pense que c'est trop étroit. Ça a un petit côté capuche, ouais, un cagoule, plus que capuche. Voilà, moi je cherchais l'esprit. Capuche comme d'un sweat qu'on met, qu'on enlève. Et là, quand il l'a essayé, ça faisait un peu cagoule. Donc, à mon avis, il va pas la mettre. Il m'a rien dit, hein. Très poli, mais je pense qu'il va pas la mettre. Voilà.
Donc, si vous voulez mon avis, ça n'est pas à faire pour un homme, en tout cas, pas avec ces dimensions-là. Ou alors, il faut changer la laine et prendre une laine beaucoup plus épaisse, et peut-être, ou des aiguilles plus grosses aussi. Peut-être que j'aurais dû, moi, prendre des aiguilles plus grosses. En plus, en voyant qu'avec le mohair et soie, la kid silk, ça ne se détend pas du tout. En fait, ça tient le tricot, donc il n'aura pas du tout l'effet... voilà, ça va pas se ramollir, ça va pas, je pense pas. Donc je regrette carrément, d'autant que ça m'a quand même pris du temps, hein, mine de rien. Enfin, pris du temps, pas non plus, c'est pas un pull, hein, mais j'aurais bien voulu que ça lui aille, quoi. Mais je pense qu'il ne le mettra pas. Quoi d'autre ? Autre chose que je ne peux pas vous montrer, mais je vais vous mettre une photo, parce que ça, j'ai pensé en prendre une avant. C'est un cadeau que j'ai fait à une amie à moi pour son anniversaire. Et c'était le bandeau Frida, toujours d'Atelier Émilie, que j'ai fait également avec des restes de laine que j'avais. Donc j'ai utilisé de la Flora, je crois, en gris clair, et que j'ai mélangé avec du mohair et soie, cette fois de By Night. Alors le truc de mohair et soie By Night ou de la kid silk. La kid silk peut-être. Et donc c'est la première fois que je faisais ce Frida, j'ai trouvé très chouette, très, très sympa comme résultat par rapport j'allais dire à ce que ça demande. Oui, on pense qu'il y a des techniques de dingue, en fait non, il n'y a pas une technique de dingue puisque tout est dans la couture et dans la façon de le plier. Donc j'ai trouvé très sympa et ma foi, elle était ravie. C'est la première fois que je fais comme ça un cadeau à une amie du fait main. Ce que j'osais pas trop, mais elle, je sais qu'elle touche pas du tout aux aiguilles, donc je me suis dit bon. Et puis je savais qu'elle serait particulièrement sensible à quelque chose de fait main, parce que bon, c'est pas toujours le cas. Et elle a beaucoup apprécié, donc elle m'a envoyé une photo, elle le porte et tout, donc j'étais contente. Donc ça, je vous montrerai une petite photo. Je vais aussi décidément, mais ça c'est des cadeaux de Noël, donc je vous mettrai aussi une photo de la paire de chaussettes que j'ai fini pour mon mari. Pour Noël, que j'ai offert. Alors lui, il les quitte pas, quoi. Donc je ne sais pas combien de temps elles vont durer, mais en tout cas, il les adore. Que j'avais fait en laine signature, une laine anglaise, qui est un peu sèche comme ça. Moi, j'avais fait toujours un peu la recette habituelle, qui est que pour les hommes, j'aime bien faire des coups de 3-1. Je trouve que ça tient bien, et sur la cheville, et sur la jambe, quoi. Pas très haute, hein, enfin normalement haute, quoi. Et puis un talon renforcé avec des mailles glissées. Et puis voilà, moi je pars du haut, je finis par la pointe. Très très classique, je ne suis pas du tout encore une aventurière en termes de chaussettes. Quelque chose que j'ai terminé aussi, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est un modèle gratuit qui... on voit qu'il y a des défauts. On voit qu'il y a un endroit où j'ai dû me planter. Hein. J'ai dû faire des augmentations au mauvais endroit. C'est un modèle gratuit que Maori58, donc Marianne, Maori58 sur les réseaux, avait partagé. Un petit foulard ou une petite écharpe, c'est comme on veut, en fonction de la taille que l'on fait, qui est d'un patron gratuit qui s'appelle The Simple Thing. Qui se tricote en 4,5 et que j'ai fait encore une fois avec des restes de Flora en gris clair et avec mon reste de mohair et soie de By Night. Je vois que la lumière est en train de changer. J'espère que vous me verrez encore. Donc, je vous disais... Cette petite écharpe ou ce petit foulard, la technique en fait réside surtout à faire l'eye cord tout le long. Voilà. Donc on fait un jeu de mailles glissées, enfin qu'on... Je vous mettrai le lien vers le patron, qui avec des augmentations, donc sur un seul côté du rang, donc celui-ci. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, parce que je ne voulais pas utiliser plus d'une pelote pour pouvoir faire ce petit foulard, et en plus de ça, je ne voulais pas qu'il soit trop grand, j'ai pesé ma laine au fur et à mesure, et quand je suis arrivée à peu près à la moitié de la pelote, ben, j'ai fait des diminutions de l'autre côté. Et voilà. Et donc,
C'est une forme assez simple qui a l'avantage, effectivement, quand on veut sortir vite fait, sans avoir un gros machin à se mettre, avoir le petit foulard qui va bien sur le côté. Voilà. Je mets ça comme ça. Hop. Donc ça prend pas de place, ça se met dans son sac, c'est pratique. Je l'ai fait donc, comme je vous disais, avec le mohair et soie de By Night, et il est vraiment super doux. Ça, c'est vraiment une qualité de dingue. Donc, voilà pour ce petit projet qui m'a amusée et que je mets très régulièrement dans mon sac à main. Et donc, dès qu'il y a un petit courant d'air, hop, 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 je le dégaine. Oui, j'ai fait un châle. Alors ça, mais je vous en parle après. Je vous en parle à la fin parce que ça va durer un petit moment. Je vais vous parler de mes encours. Alors, il y a des encours. Regardez mon sac là, comme il est blindé. Oh, j'adore ce sac. J'en ai des trucs là-dedans. Alors, je vais garder ça sur mes genoux, c'est un peu... Ça, c'est le châle Ligna. Comme je n'ai pas franchement préparé, parce que en fait, ce qui se passe, j'ai remarqué, c'est que quand j'attends trop pour venir vous voir, j'ai tellement de choses à vous raconter que c'est plus très frais dans ma mémoire. Donc, voilà. Et comme ça, je ne l'ai pas du tout avancé. J'ai même, je vous le montre comme ça, mais c'est quelque chose qui a été en dormance, en sommeil, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'avais donc acheté... au festival Bière et Laine de Nantes, cette laine de charcot Iris Riarn qui s'appelle, enfin la teinte c'est Hagrid, que j'adore, que j'avais vu plein de fois chez différentes podcasteuses et que je trouvais très très jolie. Alors moi, vous savez que c'est pas souvent que j'achète de la laine de teinturière parce que je peux pas forcément, voilà, à chaque fois, hein. Mais là, j'avais très envie et de le faire. C'était Marion Blackwood qui avait fait ce châle Ligna. Oh, j'ai perdu un de mes bloqueurs de mailles. En plus, il est sympa, regardez-moi ça. Il fait yes. Ils font yeah, yeah. C'est mon mari qui m'a acheté ça, je trouve ça très marrant. Voilà. C'est le châle Ligna. Moi, j'aimais beaucoup ce côté très géométrique et très épuré. Et je trouvais qu'avec une laine qui a plein de nuances de couleurs, ça pouvait lui rendre justice et vraiment faire en sorte qu'on puisse regarder toutes les nuances et toutes les couleurs de cette laine. Donc, j'aime beaucoup. C'était Christelle de Démaille et moi qui a fait ce châle et qui m'avait donné comme conseil, parce que je sais que c'est un... En fait, il n'est pas difficile en termes de technique. L'eau demoiselle en parlait aussi il n'y a pas très longtemps. Il est, j'allais dire pénible, pas très sympa. Il est exigeant dans le sens où il faut le regarder ligne par ligne. C'est vraiment un châle, on ne peut absolument pas faire autre chose parce que tout est écrit ligne par ligne. Donc c'est très bien expliqué, mais il faut suivre ligne par ligne. Donc pendant qu'on fait ça, on ne fait rien d'autre. Voilà. Donc Christelle d'Emma et moi m'avait dit quand même pour t'aider, mets des marqueurs pour voir là où tu fais des fameuses petites... ce petit motif là, ces petites mailles glissées. Donc voilà. J'ai fait ça, effectivement. Là c'est sur l'envers, mais là c'est sur l'endroit. Donc j'ai plein de marqueurs. Et j'avoue que pendant la période de Noël, comme j'avais pas mal d'autres choses à faire, je l'ai laissé dormir dans son petit sachet, mais enfin dans son petit sac à projet, mais je vais le retrouver bientôt. Sachant que ça, c'est quelque chose, à mon avis, que je vais pas finir très rapidement, parce que, comme justement, il faut le suivre ligne par ligne, j'ai pas toujours envie de ça. Disons que j'aime bien, mais au compte-gouttes, quand ça dure une petite demi-heure, quoi. Et ensuite, je passe à autre chose. Voilà. Regardez-moi ça, ce joli petit sac. Émilie m'a offert ce n'est pas que du tricot. Il m'a offert ce joli petit sac à projet pour mettre mes petites chaussettes. Enfin, moi, je mets mes petites chaussettes dedans. C'était du tissu que j'avais acheté pour... j'avais demandé de me faire
une pochette à aiguilles qu'elle m'a très gentiment confectionnée. Et du coup, elle m'a fait plein de cadeaux avec, des petits... ça pour mettre ses chaussettes en cours, enfin voilà. Et donc, du coup, dedans, je mets... voilà, c'est vraiment une ébauche de rien du tout d'une petite paire de chaussettes. C'est juste pour vous montrer plutôt le fil et mes réflexions du moment par rapport à la chaussette. Donc ça, c'est un fil, c'est la JZ Sox de Au fil d'Horus, que j'avais dans mon stock depuis un petit moment. Elle est gris clair avec, je sais pas si vous voyez, comme des petits confettis aussi, un peu comme sur mon pull, des petits confettis bleus, j'arrive pas à savoir comment je peux vous le montrer correctement. Bleu, jaune, rose, voilà. Donc toujours un peu ma méthode, alors comme c'est des chaussettes pour moi, moi je fais des coups de 3-1 juste sur le bord et ensuite je tricote en jersey normal. Je tricote en Magic Loop et en 2,25, mais là la question que je suis en train de me poser, c'est que j'ai remarqué que les laines à chaussettes qui sont comme ça assez sèches, je trouve que le tissu a tendance à s'écarter. Enfin, quand on met le pied dedans, vous voyez, les mailles ne sont pas très serrées. Autant ça ne me choque absolument pas quand c'est de la laine un petit peu plus poilue et qui resserre un peu les mailles, en tout cas qui donne un effet, voilà, plus dense au tissu. Autant là, voilà. Donc je me suis arrêtée en cours et je me suis dit, mais dis donc pour voir, ne vas-tu pas commander des petites aiguilles de 2 ? Donc voilà, j'ai commandé des aiguilles de 2 mm et donc celles-ci sont en attente parce que je voudrais voir la différence, si le tissu me plaît davantage avec du 2 qu'avec du 2,25. C'était ma réflexion du moment. Je pense que pour les côtes et tout ce qui est début, c'est pas mal d'avoir un peu d'espace et d'élasticité, donc 2,25 c'est bien. Et à mon avis, si je veux que ça dure un peu plus dans le temps, que ce soit plus épais, moins... ouais, je sais pas. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu qu'on voit. Les mailles sont... ouais, je crois que vous voyez là. Ding. Autant, c'est des chaussettes que j'avais tricotées du bruit des aiguilles. Comme elle est un peu plus poilue, je trouve que ça ne se voit pas du tout, ça ne joue pas du tout. D'ailleurs, à ce propos, mes chaussettes du bruit des aiguilles. J'étais ravie, mes auto-rayantes que je vous ai montrées la dernière fois dans les gris roses, etc. Mais là, Tipac, un matin, je me réveille, c'était le 25 décembre, et j'avais donc mis mes chaussettes au fond de mes chaussures, puisque nous ne dormions pas chez nous, nous dormions à Noirmoutier, dans la maison de famille de mes beaux-parents. Et ma chienne Pichoune, âgée de 7 mois et demi, 8 mois, adore la laine. Elle adore les chaussettes, mais elle me les a bouffées, mais bouffées. Il y a un trou, mais c'est irréparable, quoi. Il y a un truc comme ça. Là, j'ai quand même bien le... ça, c'était l'aventure chaussette. Dan, je vais vous montrer la jolie pochette à aiguilles qu'elle m'a fait, Émilie. Trop belle. Faut que je joue dans le bon sens, parce que les aiguilles ont un peu tendance parfois à se faire la malle. J'avais choisi ces tissus-là. Ouais, je sais, ça pète. Hein. J'aime bien. J'aime bien sur les accessoires que ça pète un peu. Tac. Et d'ailleurs, j'en profite pour revenir sur des aiguilles. Parce qu'il y a longtemps, sur un podcast, je vous avais demandé conseil pour avoir un set supplémentaire d'aiguilles autres. Parce que moi, j'ai les Chiagou en métal, là, qui sont très très bien. Et j'ai jeté mon dévolu sur les Knit Pro en bois. C'est du bois de bouleau. Parce que je voulais avoir un jeu en bois pour pouvoir alterner en fonction et des fibres et de mon envie. Et voilà. Et j'ai trouvé ce petit kit-là qui, ma foi, non seulement répond à toutes mes attentes, mais surtout n'est pas cher. C'est-à-dire que c'est un kit, je ne sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a peut-être 8 paires d'aiguilles avec des câbles, donc ça doit aller de 3 à, ouais, c'est ça, à 8, un truc comme ça. C'est logique ce que je dis ? 3, 3,5, je ne sais plus. Et il y a quelques câbles, des connecteurs de
câbles, etc., des stops, machin, des stoppers, et il est à peu près 50 euros. Donc je trouve que pour un kit, vu ce qu'on trouve sur le marché souvent, alors je ne vous dis pas que les câbles, c'est la meilleure qualité qui soit. En revanche, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est facile, facile à mettre. Et je trouve que contrairement au Yaya, les stoppers sont très bien. C'est-à-dire que c'est des simples... Je vais vous montrer après, parce que j'ai un ouvrage avec les stoppers dessus. Les stoppers sont faciles à mettre et ne s'en vont pas. Parce que sur les Yaya, je ne sais pas... Sur les Chiagou, pourquoi je dis Yaya? Sur les Chiagou... les stoppers, il doit y avoir le pas de vis à l'intérieur qui a dû s'agrandir, et donc je me suis retrouvée plusieurs fois avec les stoppers de mailles qui foutent le camp et du coup toutes mes mailles qui se barrent. Donc ça, on a un peu les boulettes quand même, alors que ça c'est un petit chapeau qui se visse et je sais pas, le ça ne s'en va pas. Donc voilà. En tout cas, ça fait bien la blagounette. Et moi, j'ai apprécié tricoter avec ça. J'apprécie à tricoter avec mes petites aiguilles en bois. Je sais pas. En ce moment, je suis très... j'alterne et je suis assez bois. J'aime bien. J'aime bien ça. Alors. Tadam ! Encore un super sac que j'adore. Je me suis laissée happer... par le fameux cal du gilet Jura de Comquat, Lulu Comquat, et lancé par Virginie Spitalier, enfin les deux. Moi, je n'avais jamais participé à aucun cal, non, jamais. Mais en fait, j'ai vu le modèle et la laine et ça m'a beaucoup plu. Donc le gilet Jura, c'est un gilet qui est... comme un grand gilet manteau que je vous trouve, qui a été designé par Trina Nelly, qui est un patron qui coûte 7,20 € et qui se tricote donc en laine Gilliatt. Le voilà. Donc la laine Gilliatt, c'est une laine de chez Dererum Natura, qui est donc une laine mérino cardée que moi je tricote en coloris Darjeeling, qui est un très beau coloris, je trouve. Oh là là, j'ai des aiguilles partout. Tiens, bah les voilà. Encore mes nids de pro. Tac. Tiens, sur un autre câble. Ah oui, chose que j'ai aussi oublié de préciser que je trouve assez pratique, ce câble-là qui est un câble différent, qui n'est pas avec le kit. Ce sont des câbles que je peux trouver dans ma mercerie locale. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que j'ai pas besoin de passer commande. C'est quand même bien pratique. Alors, vous allez voir, il est en construction totale. Voilà la Gilliatt. Alors le coloris, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est très difficile à prendre en photo ou à montrer. Parce qu'en fonction de la luminosité, vous voyez là en plus ça, il y a les lumières qui jouent entre la caméra, etc. Il est entre le brun, le miel, le caramel, le kaki. Il est très changeant. Et c'est ce que j'aime moi. Enfin, c'est non seulement le côté changeant, mais je me suis dit, comme c'est un gilet manteau, donc un gros gilet, moi je porte quand même pas mal de jean déjà, donc ça avec du bleu, on va vous montrer avec la peau. Non, mais il y a du bleu, mais il n'y a pas que du bleu là. Je trouve que c'est j'ai pas de bleu évidemment, mais avec du bleu marine ça va, avec du jean ça va, avec du rouge ou du machin je trouve que ça va. Autant un brun n'aurait peut-être pas convenu avec quelque chose en dessous de différent, notamment avec un rouge, autant ça, c'est suffisamment adaptable, je trouve, et changeant pour pouvoir être assez versatile et aller sur pas mal de vêtements différents, de couleurs différentes. Donc voilà. Voilà le gilet. Alors, je vous montre. Alors, c'est très bizarre parce que, en fait, c'est un gilet avec un col châle. Donc on commence par la bande de col châle, voilà.
comme ça. Je pourrais vous montrer. Tac, on fait une grande bande. Et ensuite, on vient relever des mailles derrière. Et là commence toute la partie des raglans, des augmentations, etc. pour travailler les manches, les devants, dos, voilà. Donc ça, c'est encore la partie châle qui va être sur le devant, enfin le devant, voilà. Et moi, ben, comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai quand même voulu faire une manche. Donc, ce que j'ai fait, c'est très compliqué à montrer vu là où j'en suis, sincèrement. Surtout à l'envers, mais même à l'endroit, en fait. Donc, j'ai fait le col, voilà, qui se met comme ça avec, hop, il a une petite arête comme ça, centrale, mais qui, moi, bon, il y a les fils hein, de sortie, ne me déplaît pas parce que je trouve que, de toute façon, et par le fil et par le modèle, c'est quelque chose, un design assez rustique. Et donc j'aimais bien ce côté rustique comme ça, voilà. Vous voyez le futur dos. Donc une manche en attente. Et l'autre manche que j'ai voulu donc tricoter pour me rendre compte un petit peu de la laine, du tissu, etc. Donc c'est drôle parce que là on voit vachement... On voit vachement le moment où je suis en aller-retour, le moment où je passe en circulaire. Hein. Alors moi, j'ai jamais tricoté de Gilliatt. Donc c'est une première pour moi. Je la trouve agréable à tricoter et assez déroutante parce qu'elle a un côté très rebondi comme ça. Très élastique. C'est-à-dire quand on tient la fibre, elle a un petit côté ressort qui est très étonnant. Donc pour la tension du fil, c'est pas toujours évident, mais elle est super. Ça ramasse tout, mais c'est super. Non, c'est moi qui... Voilà. Donc en fait, on tricote en jersey, puis on a une très longue partie de côte, 1-1, en grosse aiguille, puis en aiguille plus petite. Donc moi, j'ai mis un petit marqueur pour me rendre compte, voilà, de l'endroit où, et avec un rabattage. Donc ça fait... Un long bout de bras comme ça, côtelé. Et le corps, il aura un motif, trois grilles de motifs différents. Donc j'ai commencé tout juste avant de m'arrêter, donc vous n'allez rien voir. C'est des mailles, voilà. On devine qu'il y a un petit relief là. Alors, j'ai pesé ma laine. Donc j'ai vu qu'avec une pelote, avec la moitié d'une pelote, j'ai fait une manche. Donc ça me permet de savoir, j'ai gardé la pelote, comme ça je sais que quand j'ai fini la laine pour le corps, j'aurai toujours de quoi faire l'autre manche. C'est pour ça que je voulais faire ça, pour ne pas être en rade de laine et aviser la longueur en fonction de ce que j'avais. Donc pour le coup, pour une fois, je prévois. Voilà. En termes de difficulté, je dirais que relever les mailles, c'est quand même pas facile. Enfin, moi, c'est encore pas très propre. Alors, c'est vrai que la laine fait que... Parce que quand on regarde sur le modèle, ça fait pas non plus... C'est un côté aussi rustique comme ça. Après, moi, je suis assez contente du dessin pour l'instant. C'est sûr que c'est pas le petit gilet fin en dentelle qu'on va mettre pour aller être chic, n'est-ce pas? C'est plutôt le gilet manteau doudou, voilà. Mais je suis super contente de tricoter cette laine-là. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va se lisser un petit peu au blocage, vu qu'il y a quand même pas mal d'irrégularités dues à différence aller-retour en rond, en circulaire. Bah, je verrai bien. Moi, c'est la première fois que je tricote un gilet comme ça, avec un grand col châle. Je n'avais jamais fait. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre le CAL, n'hésitez pas. Il y a un groupe Ravelry qui est ouvert. CAL Jura, Gilet Jura. Ou alors, vous pouvez joindre Lucie de Comquat sur Insta.
voilà, pour lui laisser un petit message, elle vous rajoutera au groupe, ou Virginie, enfin, comme vous voulez. Je crois que nous avons jusqu'au mois de mars, et on est déjà très nombreuses, puisqu'on avait un groupe sur Insta, me semble-t-il, et il y a tellement de monde que, voilà, elle ne pouvait plus en rajouter, donc on est obligé de basculer sur Ravelry. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que la pelote coûte 13,20 €. Voilà, donc c'est quand même pas la laine la moins chère, mais écoutez, je la trouve très qualitative, je vous dirais ça au porté, et voilà. Pour moi, est-ce que c'est accessible? Oui, je pense que c'est accessible, il faut juste être vigilant. Alors, tout ce qui est raglan, etc., augmentation, tatatatin, il y a marqué, tout est décrit, parce que c'est quand même assez long, donc tout est décrit rang par rang, justement, tout est écrit ensuite répété de A à A. Moi, j'ai tout réécrit sur des phrases, en stabilo-bossant à chaque fois, je me suis fait mon truc à moi, en mettant exact, pour pas m'en mêler les pinceaux, sur les augmentations aux bons endroits. Et j'ai fait ça comme ça, je notais rang par rang sur un cahier où j'en étais, et j'ai bien recompté mes mailles au fur et à mesure pour être sûre de ne pas en avoir oublié ou pas en avoir mis trop. Parce que je trouve que si on se fie juste au patron, alors une fois qu'on a la musique dans la tête et qu'on a un peu dessiné le truc, ça va mieux, mais sinon ça peut être un petit peu... Voilà. C'est ma petite technique à moi. Moi j'ai tendance à réécrire les choses pour mieux les assimiler. Je suis une visuelle, alors comme ça, ça me permet d'assimiler le truc. Bon, je range mes petites affaires, hein, vous m'en voulez pas. Voilà, voilà. J'ai fait un peu de bruit, veuillez m'excuser. Toutes mes excuses, toutes mes confuses. Et la dernière chose, non, c'est pas la dernière chose dont je voulais vous parler, d'un projet que j'ai terminé, mais qui va avec un calendrier de l'Avent. Alors, c'est plus du tout la période, hein, on est bien d'accord. Je pense que vous avez toutes été assez inondées de calendriers de l'Avent divers et variés. Et voilà, moi je me suis longtemps posé la question de savoir si j'allais en prendre un ou pas, parce que c'est un sacré budget. Tout ça pour dire que j'ai longtemps tergiversé, j'ai longtemps réfléchi et j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de calendriers. Et je suis tombée... sur un calendrier qui m'a beaucoup, beaucoup plu, qui est celui de l'écheveau solidaire. D'abord, j'ai aimé la démarche, parce que faut savoir que le calendrier qu'elle a fait, tous les bénéfices ont été à la recherche, les ventes ont contribué à financer la recherche sur la dysplasie fibreuse, je dis parce que j'ai pas envie de faire de bêtises, et le syndrome McCune-Albright, dont souffre la petite fille de Lily, celle qui a les chevaux solidaires, et donc de sa petite fille qui s'appelle Gaïa. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu, parce que je me suis dit, bah, au moins, voilà, tu participes à la recherche d'une maladie certainement orpheline, et je trouvais que l'aventure était jolie. Donc, ça avait déjà un sens assez particulier pour moi. D'autre part, j'étais allée regarder évidemment ce qu'elle fait comme laine et comme teinture, et j'ai trouvé que c'était toujours sobre. Donc ça m'a aussi plu, dans le sens où je me suis dit, même si je ne sais pas, j'ai pas de projet en tête sur le moment, je vais forcément trouver un objet dans lequel je pourrais mettre ces laines. Ça c'était bien, et j'ai été plus que agréablement surprise par la qualité de son calendrier. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a reçu ça, je ne vous ai pas monté la boîte, mais c'est une énorme boîte noire, très chouette, avec très sobre, noir et doré, avec des enveloppes, évidemment. Donc, on avait des mini-échevaux tous les deux jours. Jour plus plein de petits... des petits accessoires, et pas que des petits accessoires. En fait, je ne peux pas trop vous dire la grosse accessoire qu'il y a, parce que je suis en train de lire dessus. Je vais vous expliquer. Déjà, pour aller droit au but sur l'objet. Donc, on avait dans chaque enveloppe déjà des pages d'un conte. Un conte qui a été écrit pour cette histoire-là, pour cette box-là. Et donc, c'était super d'avoir comme une petite histoire, comme un petit conte de Noël qui nous berçait au chaque jour du mois de décembre. J'ai trouvé ça très poétique.
Ensuite, on avait donc des objets que je vais vous montrer après et des écheveaux. Avec moi, donc c'est la première fois que je tricotais sous énigme. Je n'avais jamais fait de calmistère. Et là, je me suis laissée prendre au jeu et j'ai trouvé ça génial. Je vous montre l'objet. Alors, c'était super drôle parce que les premiers indices, on avait un truc qui ressemble à ça. On s'est dit, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que c'est que cette culotte? Et on avait juste un triangle avec ça. On s'est dit, c'est quoi ce truc? Et puis en fait, au fur et à mesure, oh, j'aimerais bien pouvoir vous montrer. Voilà. En fait, on dirait du tissage. Je trouve que le mélange de points, de textures, de couleurs, qui sont dans les vieux roses, les violets, les noirs, les gris, les beiges, les verts, les kakis. J'ai trouvé ça super. J'essaie de vous trouver un angle pour que vous puissiez le voir. Donc c'est une forme assez particulière. Avec une grande bande, avec un I-cord qui fait tout le long, d'un côté comme de l'autre. Et moi, j'ai donc fait la petite pampille au bout à la fin. Tac. Hop. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que la fente, elle sert à mettre le châle dedans. Pour bien couvrir le cou. Moi, j'aime bien le mettre comme ça et mettre la tige après, hop, dessous. Voilà. Et je le trouve hyper beau. En fait, je suis assez admirative de ce travail de... Alors, il y a du point de riz, il y a une espèce de... Je crois que c'est ça, c'est, ouais, c'est du point de riz... On a une espèce de point comme ça. Vous savez, comme les parquets anciens, un peu. Chevron. En fait, ça s'appelle du point de hareng. Arête de hareng, je crois. Et c'est super rigolo. C'est super rigolo à faire. Et donc, entre les points différents... Oh, vous allez voir. Les points différents, les nuances différentes. L'arrière, vous voyez le dos. C'est comme un tissage. Je trouvais ça super. Donc, ça a été fait dans sa base Eclipse. J'en ai partout des petits poils. Ça se tricote en 5 et 8 mm. Je vais l'enlever parce que moi, j'ai quand même pas froid du tout. Et ça, c'est quelque chose... Alors, en plus de ça, moi, j'ai tenu le timing. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, je tricotais dès que j'avais mon énigme, dès que j'avais mon indice, etc. sur ma page Ravelry. Pop, 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 j'allais tricoter ça. Je crois qu'il n'y a que pour le 25 décembre, où comme j'étais en famille, dans ma belle famille, j'ai pas pu sortir mon tricot. Mais j'ai trouvé ça super agréable à faire, vraiment. L'aventure de suivre et de faire confiance à quelqu'un, en fait, c'est ça. De se dire, je fais confiance en quelqu'un dans son parcours créatif et de me dire, bah voilà, ah là, c'est beau, vous voyez. Me dire, je me laisse porter de A à Z et je donne, je fais de mon mieux. Alors, c'est pas une technique qui est forcément facile tout le temps, parce qu'il y a des rangs raccourcis. On tricote deux fois le même rang avec deux laines différentes. On a souvent, vous voyez, il y a tellement de textures, etc., que les rangs sont souvent travaillés, sont même, la plupart du temps travaillés deux fois. C'est ce qui donne cette épaisseur et ce moelleux, d'ailleurs. Et on m'aurait dit, au début... tiens, tu vas faire ci, ça, ça comme technique, j'aurais dit, mais non, j'y vais pas. J'y laisse tomber, j'y vais pas. Ça va être trop compliqué. Et le fait de ne pas savoir où on va et de se laisser porter, en plus, dès qu'on avait un souci, moi, si j'ai un truc que je comprenais pas, j'envoyais un petit message. Lily était adorable. Elle me répondait, je lui disais, attends, regarde ça, voilà ce qu'il y a sur Ravelry, voilà où j'en suis, est-ce que c'est bien, est-ce que machin. C'était top, quoi.
Donc j'ai tout aimé. J'ai aimé et l'échange que j'ai eu avec elle, et le fait de tricoter un projet au jour le jour, le fait de participer de contribuer à financer la recherche, enfin voilà. Et quant aux goodies, c'est pas des petits goodies, hein. On ouvre le premier jour. C'est le premier jour. Bah voilà ce qu'on a quand même. Je vais vous le fermer, mais le truc. Vous avez dû le voir passer sur les réseaux. Voilà. Un agenda tout en cuir, quoi. Alors, c'est vraiment du beau cuir bien épais et tout bien. Alors, moi, elle a dit qu'il fallait qu'il soit maltraité et qu'elle s'inquiète pas. Il est déjà bien maltraité parce que je le fous partout. Il y a un petit tampon là, un petit truc, les chevaux solidaires. Et à l'intérieur, alors au début, il arrive vide. Et après, alors on a eu au fil du temps ce stylo rechargeable. Or rose, qui est quand même ultra quali. Et d'accord. On a eu la règle. Métal, or rose. Vous avez vu, c'est imprimé le cuir à l'intérieur. Après, on a donc la petite pochette transparente avec à l'intérieur. Non mais c'était extraordinaire ce truc. Des petits cartons pour le tricot, vous voyez à l'envers, mais petit tricot, cadeau tricoté. C'est Naomi qui avait fait ça, de You Need to Learn, qui a tout designé avec elle. Elle avait fait aussi, j'ai même pas déballé parce que je l'ai gardé bien au chaud. Amour, laine et paillettes, en noir et en blanc et doré. Vous voyez un peu ça? Non mais c'est dingue. Le petit peuple de les chevaux solidaires. Et donc, non seulement, voilà, on a des pages de calendrier avec la présentation des chevaux solidaires, Noémie Gély, tout ce qu'elle a fait, etc. You need to learn. On a des phrases pour chaque mois. Janvier, je vous souhaite des pelotes à n'en plus finir et tout le temps libre pour pouvoir les tricoter. On a, je ne vais pas vous montrer ça, mais des mots inspirants. On a, comment je pourrais, parce que j'ai déjà écrit sur des trucs, peut-être éviter. Voilà, les tricots, les habitudes du mois, les humeurs, ce qu'on a fait, etc., etc. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement joli. Là, c'est les jours, mais il n'y a pas de date, donc c'est à nous de le remplir comme on veut. Vous voyez toutes les pages qu'on a eues, là? Non, mais il est plein, le truc. Et là, à la fin, moi, c'est là où je vous dis que je lis dessus, parce que il y a tout pour faire l'agenda de créativité. Donc, il y a des pages avec les mesures, les mensurations, imaginer son motif. Il y a des feuilles. Donc, moi, c'est là que j'écris... justement mes trucs pour les podcasts, des feuilles comme ça à carreaux avec toujours le petit truc de les chevaux solidaires. Il y a des fiches pour les fils, des fiches tricot pour les modèles, avec appréciation, comment c'est, etc. Est-ce que j'ai trouvé ça dur, à refaire, plus jamais, été, hiver. Donc on note ces fiches de tricot par rapport à ces fiches de fils. Et alors, avec « Je suis fière de »,« Je dois améliorer ». C'est génial. C'est absolument génial. On a des petits autocollants à la fin. Enfin, cet agenda, ce journal créatif, j'ai plutôt l'appelé comme ça, parce que je trouve que c'est plutôt ça, pour ma part, parce que je m'en servirais comme agenda créatif. Je le trouve top parce qu'il répond exactement à ce qui me manquait moi. C'est-à-dire qu'on est tout un petit peu pareil. Enfin, toutes, je ne sais pas. En tout cas, moi, je fais partie de la team où une fois que j'ai terminé un projet, je ne m'en souviens pas. J'ai du mal. Donc maintenant que j'ai ça, eh bien voilà, au fur et à mesure que je fais quelque chose, je remplis la fiche tricot au fur et à mesure du truc. Je vois les techniques que j'ai utilisées, quel rabattage j'ai fait, quel montage j'ai fait, combien ça m'a coûté. Voilà, par exemple, je peux vous dire que le pull Ila que je vous ai présenté tout à l'heure, donc comme ça, eh ben, j'ai calculé entre le patron et la laine, il m'a coûté moins de 40 euros. Voilà. Et ça, c'est un truc que je n'aurais pas fait.
que je... Ça me donne l'envie, le petit scotch qui fait partie aussi du truc. On a eu le petit scotch pour coller ses... Enfin, l'agrémenter. Et elle va prévoir plein d'autres petits goodies en plus. Je trouve qu'elle... C'est vraiment un produit qui est hyper abouti. Et ce qui me plaît, c'est que c'est quelque chose sur la durée. Voilà, on sent... Vous voyez un peu l'épaisseur du truc ? C'est un objet qui va durer dans le temps, qui va... Voilà, vous entendez le bruit du cuir là ? En plus, on voyait des petits reportages, des photos, ils ont coupé ça, massicoté ça à la main. Chez elle, elle a reçu des pots de cuir différents, de plein de couleurs. Elle a fait le choix de la densité du cuir, de la taille, parce qu'elle voulait quelque chose qui vieillisse bien. Qui se façonne. Enfin, je trouve que tout est bien pensé. On a eu évidemment un petit... Noémie avait fait le design de tout ça, donc on a eu un petit sac à projet avec un super pins. Donc je sais qu'il y a des choses qui vont être mises en vente bientôt. Donc je vous le dis. Alors l'agenda, je crois que c'était vraiment un one shot. Elle ne le refera pas l'année prochaine, elle fera sans doute d'autres choses. Mais je ne regrette pas une seule seconde. Je trouve ça hyper, hyper super. Mais il ne faut pas que je le ferme parce que j'ai quand même marqué des choses à vous dire encore. Vous voyez, ça me sert. Ça me sert vachement. Donc je suis hyper contente de cet objet-là. Et puis alors c'est marrant, mais le fait d'avoir tricoté ça au jour le jour, le fait d'avoir participé à cette espèce de calendrier de l'Avent, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un châle. C'est le châle de Noël, c'est celui que j'ai fait au jour le jour. Je sais pas, il a une ambiance à lui seul. Donc, cher à mon cœur. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver, je crois qu'elle a mis en ligne le patron sur Ravelry. Donc, si jamais le modèle vous plaît, eh bien, vous pourrez le retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Est-ce que j'ai des projets pour 2023 ? Parce qu'on voit beaucoup des choses sur les, en ce moment, les envies pour l'année 2023, etc., etc. Alors, moi, je n'ai pas encore vraiment défini tout ça. Je dis encore, mais je pense que je ne vais pas définir parce que je fonctionne un peu au désir, à l'envie, à la réflexion, tout ça. Mais en revanche, il y a des choses, voilà, un terrain d'amélioration notoire chez moi. C'est mieux cerner ce qui me va et ce qui ne me va pas. Et c'est mieux cerner également les coupes, non seulement les coupes, mais les styles de vêtements, les longueurs qui me vont, etc. Parce que ça, je me rends compte que je ne suis pas encore très forte. Et je n'ai pas encore vraiment un objet fini sur lequel je suis absolument satisfaite à 100%. Il y a soit le rabattage qui n'est pas élastique, soit la longueur qui n'est pas tout à fait bonne, soit... Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment améliorer. Donc moi, c'est plutôt là-dedans que je me projette dans 2023. C'est sur ce qu'il faut que... C'est pour ça que ce journal aussi va bien m'aider, ce cahier, parce que là, je prends des notes au fur et à mesure des choses que je vois, que je constate, et ce qui fait que ben, je peux relire les choses, je laisse une trace. Et ça va bien m'aider à y voir un petit peu plus clair sur mes projets. Un truc qui m'a aussi frappée, et je vais être vigilante aussi, c'est le fameux FMO, le Fear of Missing Out. Mais on en a beaucoup parlé sur ce qui était les laines. La peur de manquer des chevaux de laine, de ne pas en avoir assez, donc acheter. Moi, c'est pas tellement ça. Il y a quelque chose qui m'a frappé ces derniers mois, et notamment, je pense, avec l'excitation de Noël, c'est de voir des modèles qui reviennent sans arrêt. Des designs qu'on voit tout le temps, partout, au point où la suggestion crée l'envie, presque. Dans le sens où, même si on n'a pas... C'est pas un modèle sur lequel on aurait forcément craqué, à force de le voir dans différentes laines, etc., différentes portées par différentes personnes, on finit par se dire qu'il nous le faut. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée et sur lequel je suis hyper vigilante parce que il y a des choses, je prends du recul, je me dis, mais Lila, t'en as pas besoin et surtout, t'en as pas envie. Donc, ne le fais pas. C'est pas parce que tu le vois partout que c'est quelque chose qu'il te faut et dont tu as envie ni besoin. Voilà.
Donc ça, c'était ma réflexion aussi du moment. La petite réflexion que j'aime bien partager avec vous. Et aussi, la dernière petite chose que j'ai trouvée chouette, je regardais un podcast de Sofiana, de Sautricot, qui hier avait, enfin qui pendant tout le mois de décembre avait fait des vlogmas, et j'ai bien aimé les questions qu'elle soulevait d'ailleurs. Et notamment, elle disait dans le bilan qu'elle a fait, elle disait qu'elle avait beaucoup apprécié parce que c'était un travail difficile. C'est difficile de faire des vidéos dans le sens où il faut préparer, se mettre en avant, faire du montage, voilà, que surtout au quotidien, j'imagine, quand on fait des vlogmas, bon, bah voilà, c'est quand même exigeant. Mais elle disait que c'était les commentaires qui l'avaient beaucoup aidée, beaucoup soutenue. Et en fait, elle avait pris une résolution, elle s'est dit, mais moi, je me rends compte en tant que créateur de contenu que ça m'aide énormément d'avoir des commentaires. Et bien, à mon tour, quand je vais regarder un podcast de quelqu'un et que j'ai apprécié son travail, je vais lui laisser un commentaire. Même juste pour lui dire merci, c'était chouette. Mais de prendre le temps, de prendre les deux secondes d'aller sur son téléphone ou sur son ordi, laisser un commentaire pour dire merci, c'était chouette. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi, je me suis dit que je ferais. C'est de laisser davantage, alors j'en laisse quand même, mais de laisser davantage de commentaires aux créateurs de contenu, parce que même si c'est juste pour dire coucou, merci, c'était bien, d'abord je sais que ça permet de mettre le travail en avant. Plus on laisse de commentaires, plus le travail des copains copines sera mis en avant, et puis ça permet à celui qui s'est donné du mal de lui dire merci. Voilà, c'était ma réflexion du moment. Sur ce, écoutez, j'espère que je reviendrai plus vite. Oui, je vais revenir plus vite d'ailleurs, pour la bonne et simple raison que mon podcast a fêté ses 1 an, je crois, le 24 ou le 25 décembre. Et que du coup, je suis en train de vous organiser, de vous préparer un petit concours. Donc, d'ici quelques jours, une fois que ce sera un peu calé tout ça, je reviendrai vers vous pour une petite vidéo et vous faire un petit concours. Sur ce, portez-vous bien. J'espère que ce nouveau décor, même si la lumière est un peu, bah, je sais pas, chez vous, mais ici c'est un peu gris-gris hein, par moment. Et puis je tourne pas forcément à l'heure que je veux tout le temps, hein, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, portez-vous bien. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt pour le concours. Ciao! Et au fait, le générique alors, top ou pas? Bye bye. Coucou, c'est encore moi. J'ai complètement oublié de vous dire, mais c'est super important. Il y a un nouveau festival Les Nœuds qui va avoir lieu dans ma région, à Saint-Brévin-les-Pins, le 25 et 26 mars. Les chevaux des mers. Donc j'ai partagé cette publication sur Instagram, mais on en saura plus très rapidement. En tout cas, sachez que ce rendez-vous est une grande première pour les gens du coin, en tout cas, voilà. Et je suis très heureuse d'y participer. En tout cas, je viendrai, je vais certainement aider aussi. Et je sais qu'il y a déjà des personnes parmi vous qui seront présentes. Voilà, je vous tiendrai informée. Les chevaux des mers, donc, à Saint-Brévin-les-Pins. Ciao.